Monsieur le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, Son Excellence, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les réponses du ministre Ghislain Thierry Magessa et Bomé aux questions du député Auguste Ndambélé en rapport avec notre situation d'études à l'université privée de Marrakech. Le ministre Ghislain Thierry Magessa et Bomé a témoigné avoir remis aux deux premières promotions des diplômes et à la troisième promotion des relevés de notes et attestations de fréquentation. Or, il se trouve qu'il n'y a que la première promotion constituée de 8 étudiants qui ont reçu des diplômes et les autres n'ont reçu que des attestations de succès que lui-même le ministre a délivrées. Monsieur le Président, nous nous sentons lésés. Nous rappelons encore que les promotions 2020 et 2021 n'ont rien reçu. Que ce soit ceux qui sont rentrés au pays avec le ministre en décembre 2021, ou nous qui sommes restés au Maroc pour ne pas avoir cru aux promesses du ministre. Monsieur le Président, figurez-vous que le diplôme d'ingénieur baisse drastiquement en valeur 2 années après, si son détenteur n'exerce pas le métier le concernant. Or, ce document est un passeport pour nous dans le marché d'emploi. Il est donc nécessaire que nous entrions en possession de nos diplômes délivrés par l'établissement de tutelle, et non des attestations de succès délivrées par le ministre de l'enseignement technique et professionnel. Dans l'espoir et le désir que cette lettre trouve un écho favorable auprès de votre aimable bienveillance, veuillez croire et agréer, Son Excellence, Monsieur le Président, nos voeux les meilleurs pour l'année 2023.